Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Ousmane Gawal Diallo manifeste clairement son intention d'être à la tête de l'UFDG. L'ancien compagnon de Selim Daleng Diallo estime qu'il faut organiser le débat afin que les militants puissent faire le choix. Selim Daleng Diallo a ses partisans qui tiennent mordicus à lui, mais il y a d'autres candidats potentiels ainsi que son candidat au perchoir de l'UFDG. Je pense qu'on devrait créer un débat serein entre les candidats et c'est aux militants d'arbitrer. C'est ainsi la démocratie. Selim Daleng Diallo a pris la place de quelqu'un d'autre, Bah Mamadou, qui aussi a pris la place de quelqu'un d'autre. L'UFDG a tout intérêt à organiser le débat et à ce que les Guinéens puissent arbitrer, a-t-il dit avant d'annoncer. Moi, Ousmane Gawal Diallo, je veux être à la place absolument et de façon légitime. Je suis candidat au perchoir de l'UFDG. Par ailleurs, Ousmane Gawal précise qu'il n'est pas candidat aux prochaines élections qui ne lui sont pas admises par la charte de la transition. Eh bien, les amis, c'est donc ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotchés à votre chaîne préférée Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très très bien.